vais te faire voir la nouvelle gamme O'Fly. C'est une gamme qu'on a sortie qui est, on va dire, relativement assez naturelle, qu'on fabrique complètement en France. Donc là, je me suis entouré d'ingénieurs pour tout ce qui est produit. Donc le plus de produits naturels, parce qu'en fait, c'est tous les produits qui vont à peu près dans l'eau. Hein. Donc, et je vais te faire voir, je vais te chercher un catalogue pour te faire comprendre. Donc ça, c'est la gamme O'Fly. O'Fly. D'accord. Donc en fait, on est d'accord qu'en général, quand tu as des mouches sèches, tu les graisses. Donc ça, c'est un gel qui est simplement, tu en mets un tout petit peu sur le doigt et tu en mets un peu sur ta mouche. Mais toujours sur des mouches sèches, pas des culs de canard par contre. Oui. Ta queue de canard, tu vas coller les fibres et ça ne va pas faire ce travail. D'accord. Pour les culs de canard, tu peux utiliser ce produit-là. Donc voilà, ça c'est le float spray. Donc en fait, un cul de canard, ça c'est un spray. Donc ça va pas coller. Ah, c'est qu'un spray. Ah, oui, et oui. Ça va s'évaporer très rapidement. Donc ça, je te dis, c'est tous les produits. Pas sur le queue de canard non plus trop mouillé. Il faut qu'il soit safe. Toujours, si jamais tu as pris un poisson, tu laves. On lave. Le canard, tu laisses traîner dans l'eau n'importe quoi. Bien sûr. Tu reprends. On sèche avec le dry. Soit avec le chichi dry, soit avec le Madou. Oui. J'aime bien le chichi dry là. D'accord. Donc là, tu les sèches déjà bien. Après, tu. Un petit coup. Voilà. Oui. Une fois qu'il est bien sec. Oui, oui. Il sec. Ça va s'évaporer, ça va graisser. Après, tu as. Donc ça, c'est le spray. Ça, c'est le gel. Et tu as le float dry. Ok. Donc tu as le Float Step aussi, qui ne sert qu'à déshydrater. C'est une poudre, oui. C'est une poudre qui va déshydrater la mouche, donc ça va enlever l'humidité. Mm. Donc c'est vrai que là, tu peux après y mettre encore du spray dessus. Oui. Sinon, tu as le Float Dry, d'accord, qui lui va te sécher la mouche à fond, et en plus ça, qui va te la graisser, mais à sec. À sec, c'est quand même assez impressionnant. Je vais te faire une démonstration. Ah oui, oui, parce que là, tu vas voir. Pour imperméabiliser les mouches. D'accord. Alors regarde. Là, par exemple, je prends une mouche. Je vais mettre un petit bout de fil au bout. T'es à la pêche. Tu viens de prendre un poisson. T'as ta mouche, par exemple, en cul de canard. Quand tu la poses dedans, donc, tu ouvres. Comme ça, donc tu l'as à peu près essuyé déjà, oui, avec l'amadou, le chichira et tout ça. Ouais. Tu la poses dedans, on va pas la mettre mouillée dedans. Tu fermes et tu te secoues. Ouais. D'accord. Quand tu ressors, ça te fait ça. D'accord. D'accord. Donc, tu souffles. Donc là, ta mouche. Ah oui, non mais elle a repris, sèche. Et puis elle a repris du volume. Je vais te faire le coup du verre d'eau, tu vas voir. Et puis elle a repris du volume, hein, là. Ah bah complètement. Et tu vas voir qu'en plus de ça, c'est impressionnant comment ça n'arrive pas à s'immerger. C'est-à-dire que tu peux même claquer la mouche sur l'eau. Je l'emmène au fond de l'eau. Tu regardes ce qui se passe sur ta mouche. Ah oui, 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 oui. L'eau n'arrive pas à venir pénétrer. Pénétrer. Je lâche. Ah, elle est remontée. Elle est remontée. Mais c'est incroyable. Hop, t'as vu comment elle remonte? Incroyable. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment un produit, tac. Alors ça, par contre, ça marche pour toutes les mouches, que ce soit des mouches à algues, des mouches en cul de canard, bien sûr, des dubbing, n'importe quoi, ça fonctionne. Et ça positionne vraiment la mouche sur l'eau. Et en plus de ça, elle devient très volatile sur l'eau. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que s'il y a un peu de vent, la mouche elle fait ça. Elle bouge. Elle va bouger. Et ça c'est important. Elle va vibrer. Ouais. Donc je te reprends, tu as le float gel, d'accord, que tu mets un tout petit peu sur le doigt et tu graisses tes mouches à hacle, ou alors tout ce qui est hacle, toi tu peux très bien avoir un peu de cul de canard on va dire sur les ailes, mais sur les hacles, c'est du coup de côte par exemple, bien sûr. Là tu graisses avec ça. Oui. Sinon, je te dis, tu peux sécher et graisser avec le float dry. Alors moi j'ai mis un petit élastique, toi, pour pouvoir le fixer sur mon gilet sans le mettre dans la poche. Donc c'est sur mon enrouleur. Tout simplement. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc le float spray, on a vu, pour graisser. Float Step, c'est pour déshydrater aussi les mouches. Mm-hmm. C'est un peu comme le float dry, mais c'est vraiment pour enlever encore plus au corps l'humidité. Mais ça ne graisse pas. D'accord. Oui, voilà, oui, oui. Elle graisse pas. C'est pour sécher les mouches, simplement. Donc c'est un complément. Tu n'es pas obligé d'avoir les deux, mais au moins le float dry. Ensuite, tu as ce qui fait le contraire, le sink. C'est fait pour faire couler. Donc en fait, ça dégraisse carrément la mouche ou ton bas de ligne. Tu en passes sur ton bas de ligne quand tu veux pêcher en noyer ou en nymphe, les deux premiers mètres. Ça, si jamais tu as eu des doigts un peu gras sur ton fil, oui, ça va l'enlever, ça va permettre l'immersion complète. Mm. Donc voilà, ça okay. C'est fait pour faire couler. Après, tu as pour entretenir la soie. Donc ça, c'est le clean line. Une soie, chaque fois que tu vas à la pêche, normalement, tu la nettoies un petit peu. Alors pas surtout de la soie, mais au moins les 10 premiers mètres. Et tu lui redonnes un petit coup de ce produit-là, de clean line. Et en fait, ça te nettoie ta soie, ça te la fait glisser et ça te la fait flotter. Ok. Donc vraiment, ça l'entretient dans le temps. C'est-à-dire que quand tu entretiens une soie, on va dire que tu peux lui donner 20-30% de durée de vie en plus. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment l'étape à faire tout le temps. Oui. D'accord ? Peu de gens y pensent, mais c'est important. Après, tu as le Clean Rod. Alors, Clean Rod, c'est un produit qui, en milieu de saison, tu sais, quand tu as toujours plein de dépôts qui se font, parce que oui, c'est sale, la superficie, il y a toujours des hydrocarbures, et après, et ça sèche sur les ligatures et dans les anneaux, mais surtout sur les ligatures. Oui, oui, on le voit. Et en fait, ça fait de la friction avec ta soie. Donc, si tu as une soie qui est propre, qui glisse bien, et ta canne qui est nettoyée, qui est propre, donc tu prends ça sur un petit torchon, un petit sopalin, n'importe quoi, tu nettoies ta canne. Et en fait, tu vois bien, même avec le pouce, tu arrives à enlever du dépôt. Hein. Exactement. Donc ça, c'est important. Et après, c'est des produits, on va dire, tu as le UV Nœud. Alors, tu as des gens qui, quand ils font leur bas de ligne, ils aiment bien consolider encore leur nœud. Donc, quand tu coupes à ras, tu mets une petite goutte de ce produit-là sur tes nœuds. Oui. Alors, surtout sur les gros nœuds. Sur les gros, je pense, hein, oui, oui. Et un petit coup de lampe UV. D'accord, et là ça fait solidifie. Ça solidifie et puis ça te fait un petit voile. Ça passe un peu mieux dans les anneaux. D'accord. Moi je le fais pas spécialement, mais c'est pour des gens qui sont très 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 méticuleux, c'est bien quoi. C'est un bon produit pour ça. Et puis après tu as le même produit UV, on va dire un peu plus épais, mais en fait c'est pour réparer les voies d'orse. Donc pareil, tu as un voie d'orse qui est complètement coupé comme ça, par exemple, hein, tu as fait un accro. Oui. Donc tu le répares toujours de l'intérieur, ça fait plus joli, ça fait moins rustique. Oui, oui. Donc tu le retournes, tu répartis de la colle sur toute la déchirure, oui. Et avec la lampe UV, tu sèches. C'est mieux que la colle normale qu'on utilise ou alors, ça fait pareil, oui. Simplement que ça c'est rapide. Tu n'es pas obligé d'attendre 12 heures pour que ça sèche, parce que ça c'est sec en 5 secondes. Oui. Et là il faut utiliser la lampe, pareil. Ah oui, oui là oui, oui. Quand on dit UV, c'est toujours avec une lampe. Avec la lampe. D'accord ? Donc toi, je te dis, tu as toute une gamme complète. C'est une gamme qui est... Et bon, où je suis fier, c'est vraiment que c'est tout fait, on développe tout en France, c'est tout conditionné chez nous. Donc on a un beau petit bébé et on est un peu, avec la nature, on est plus en phase. D'accord. D'accord ? Parce que c'est vraiment des produits qui ne détériorent pas la nature. Donc ça, c'est important.